Donc, bonjour à tous, Gilles, agriculteur dans le Loiret. Aujourd'hui, on va récolter les oignons. Les premières graines commencent à tomber au sol parce que les premières fleurs s'ouvrent, alors que les dernières ne sont pas encore complètement sèches. Donc, pour les oignons, on est obligé de récolter les oignons et de les mettre dans un séchoir pour pouvoir les sécher et donc récupérer l'ensemble des graines. Donc là, si vous voyez derrière moi, les mâles ont été aplatis, supprimés, et donc on va récolter uniquement les oignons femelles. Donc aujourd'hui, l'objectif est de les mettre dans le séchoir. Donc voici la récolteuse à oignons, donc elle peut récolter 4 rangs d'oignons. On voit qu'il y a des petites vis qui sont là pour démêler les oignons, pour pouvoir les redresser. Ensuite tout ça est emmené vers un tapis, ce tapis vient emmener l'ensemble des oignons dans la benne. Donc on va voir des vidéos un petit peu de tout ça. Alors c'est toujours un petit peu compliqué quand il y a des mauvaises herbes, quand c'est un petit peu sale, parce que ça s'enroule autour des vis. Mais sinon c'est une machine qui va quand même assez bien, puisqu'on arrive à récolter 4-5 hectares d'oignons par jour. Petit défaut quand même pour le conducteur, c'est qu'on est à l'envers, donc on est attelé derrière le tracteur, donc on avance à l'envers, donc on est tout le temps en train de reculer dans le champ, donc c'est vrai que c'est assez fatigant, surtout pour le coup. Les oignons, on les met dans une benne, cette benne on la ramène ici au séchoir et on remplit l'ensemble du séchoir avec ces têtes d'oignons. Et donc dans quelques semaines, une fois qu'on aura séché l'ensemble des têtes, on va battre les oignons, c'est-à-dire qu'on va utiliser une moissonneuse batteuse, ressortir tous les oignons du séchoir pour les battre. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Donc voilà, je suis maintenant dans le séchoir pour pouvoir m'en occuper. Pendant 3 à 4 semaines, il va falloir que je m'en occupe. Vous entendez les ventilations en bas qui sont en train de souffler. Maintenant, le tout est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de point chaud, qu'il n'y ait pas de point tassé. Donc je suis en train de bien répartir ce que je n'ai pas pu faire au télescopique. Donc voilà pour cette vidéo. Je profite de ce moment pour passer aussi un petit message aux semenciers. Je suis à la recherche de nouveaux contrats pour des oignons pour augmenter un petit peu ma surface, étant donné que j'ai déjà le matériel et l'expérience. Donc si des semenciers ont des possibilités de contrats d'oignons, contactez-moi par Twitter par exemple. Et puis je remercie encore tout le monde de regarder ces vidéos et n'hésitez pas à les partager pour faire découvrir un petit peu notre agriculture. Dernière chose, j'ai un t-shirt à gris demain parce que le vendredi 19, donc demain ou après-demain, on fait la fête des moissons ici au Cacodo. Donc si des gens sont dans le coin à l'est du Loiret, n'hésitez pas à vous arrêter. À bientôt.